Eh bien, salut à tous, c'est Louis Santis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite du Let's Play sur Far Cry Primal! Épisode 4. Où est-ce qu'il se lève le soleil? Parce que j'ai vu. En fait, j'ai vu. Ah voilà. On va voir ce magnifique lever de soleil. Pile pas le bon moment à chaque fois. Bon, après, c'est assez relou parce que je suis obligé de faire le. De faire avant de tourner la vidéo. Je suis dans la nuit, du coup, ça me saoule. Et là, je vois. Hop, bon, je me dis, je vais lancer la vidéo. Là, boum! Je vois le soleil qui arrive, je suis là, les gars. Faudrait que je fasse des vidéos tout le temps en fait. Mais je pense que ça marcherait pas comme ça. Bon, on va tout de suite aller parler à Syla, ce qu'il fallait qu'on fasse la dernière fois. Juste avant ça, on va regarder. Hop, c'est pas ça, c'est cette touche là. Non, c'est toujours pas ça, c'est cette touche là. Compétences. Compétences, on en a qu'une, on veut des compétences à. Amélioration. Durabilité 2, agilité spéciale. Amélioration 2 à 2. Comment on fait pour pouvoir en avoir emporté plus? Ceinture à sagaï. Transporter 2 sagaï. Transporter 3 sagaï. Ouais. Et il faut avoir. Qui? C'est qui lui? Je connais pas. Progresser dans la mission de Woga. Le fabricant pour débloquer cet objet. On va falloir qu'on progresse dans cette mission. Hop. On va au passage, on va aller récupérer cela. Non, on peut pas. Boum. Un essaim d'abeilles. Ça peut servir à quelque chose. Sans déconner. Hein. Hop. Alors, hop, laisse un abeille. Ah, max munition. Je suis au max. Genre, si j'en utilise un, bon, allez, on va aller voir ça et là. Et je crois que je sais ce qu'elle veut nous dire, vu que j'ai vu le Let's Play de B-Boy. Ah, oui, c'est vrai. T'as content, toi, quoi. Tidam Shaya Ogar Saila. Takar guasham. Guasham, ha. Guarpati pachas. Tu guama parshai. Haita, chawa su chaudam. Nu, aquí está. Oula, par contre, t'as pas remis ton. T'as pas recousu ton pull pendant qu'il était déchiré. Quand il était déchiré. Chez toi, tu vois, je prends un petit bout de devant là parce que ça dépasse et je dois mettre là. Si, warja. Ok, donc on a un nouveau gourdin, c'est le gourdin d'un Udam. Udam, Shayar Guama, Dwayam. Comment tu sais? T'as des infos, toi? Ça se trouve que t'es une prêtresse? Tu sai, Archi Tachisla, Malchata. Ah, intéressant. Ok, nickel. Oh, magnifique. Le lendemain. Oh là, c'est passé vite. C'est bien, on a commencé la vidéo, le jour se levait. On finit, on continue la vidéo. Enfin, même juste après, le jour se relève, quoi. Hop. Bah, il y a... Oh là là, il y a des trucs qui... Voilà, c'est magnifique. C'est le feu, mesdames et messieurs. C'est ultra Sogoy. Je me dis pas vraiment, mais bon. Combat au corps à corps. Les gourdins sont des armes rapides qui peuvent frapper plusieurs cibles d'un coup. Les sagaïs sont des armes lentes et puissantes qui frappent directement devant. Lancez-les pour plus d'efficacité. Maintenez R2 pour relâcher, puis relâcher pour effectuer une attaque puissante. Ouais, étourdir les ennemis et leur inflige des dégâts élevés. Si vous êtes équipé d'une arme enflammée, vous la brandirez. Ok. Ok. Ok, donc on se maîtrise direct. My marcha sar, winja mana.
Gros, avec ton visage de merde là, tu vas pas nous dire ce qu'on va faire. Hein. Mais toi, t'es déjà à moitié mort. Et on va finir, et on va te finir. Donc, déjà, calme-toi. Po. Il a un peu de charisme, mais bon. Ça fait pas tout d'avoir une balafre sur la joue. Une petite balafre, tiens. Mini cicatrice. Ok, ça veut dire que l'on va devoir user de nos charmes avec nos bêtes et de notre combat, de notre technique de combat. Où ils sont ? Je vois pas. On va aller, allez. Hop, on va soigner. On va mettre bien le petit loup. Oh, petit loup. Allez, voilà. Il y en a d'autres qui arrivent. On va utiliser notre truc. Prendre notre sagaï. Boum! Exécution, je crois que c'est la première exécution que je fais. Défendez votre village. Retournez au village. Ils sont où les autres méchants? Alors. Oh non, là-bas c'est le bordel! Soigner. Tu viens chercher ta viande. Va te la donner ta viande. Bon, par contre on combat pas. Allez oh, faut être vraiment au pixel près. Voilà. Ça c'est les poteaux. Et nous sinon, c'est pas les poteaux. Voilà, boum. Ah, il m'a empoisonné. Non c'est bon. Oula, je sais pas ce que j'ai foutu. I don't know what I have to do. Boum, tire à la tête. What I have to... On doit faire quoi? Udam shanti ati. Uhaya takar. Say marwa huwanna. Arsh shazdarwa guijar. Winja dwayai. Nickel, t'as l'air énervé toi par contre. Calme-toi, déstresse un peu. Hop, on va demander à notre chouette. Notre ami chouette. Elle est vraiment chouette. Hein. Oh, la blague. S'il y a des ennemis aux alentours, ouais non, faut aller jusqu'à l'endroit de mission pour voir les ennemis. Il est où le petit Will là? Will, viens avec moi. Will. Wall ou Wall, je sais plus comment ça se dit. Bon, bref, je viens d'arriver à Windjar, ma prononciation est pas encore énorme. Boum. Tiens, hop, ça faisait longtemps. On va prendre un petit. Le coffre. C'est ce que je voulais faire. Il y a un coffre par ici. Et je ne le trouve pas. Pas en hauteur. Oh tant pis. Là-bas il y a des Udam par contre.
Pourquoi je la prends à chaque fois? Tiens, hop. Ah, par contre, ils vont vouloir nous fight. Magnifique. Hop. Ouais, en mode, on a des couilles. On soigne vite fait. Hop. Voilà. Non, je les ai enchaînés. Ah non, il y en a avec. Non, je les ai enchaînés. Oh là là. Cette beau gossitude. Cherche. Hop, on va se mettre bien. Nickel. En plus, ça pour l'animation, ça va plus vite. Allez, allez, allez. Tiens, là-bas, il y a des poteaux, ils se fight. C'est pas cool ça. Là, tu pas nos poteaux. Je vous avais dit. Boum, tire à la tête. Boum, je t'arrache moi. Ah, j'aurais pu l'éliminer. Je suis con. Allez, viens mon frérot. Comment on est niveau Sagaï? Sagaï, on a à faire, on en confectionne un autre. Voilà. Allez, allez, allez. Hop, des roseaux, on prend. Boum, on trace. On va les buter tous les oulams. Je commence à vraiment me faire au contrôle, enfin au combat, au style de combat, et ça c'est plutôt cool. Ah, il est bientôt midi. Gros, les Yann de 25 ans. On les connaît très bien. Ah, non. Un oudam en bas, ouais, c'est mort, je descends pas. Tant pis, on va continuer. Hop, on va prendre une fleur. Bon, il est où notre frère le Wall là? Wall. Hop, il est derrière nous, je crois. Mais il va où? Allez, au pied. Merci, maintenant tu me suis. Bref, on le caresse. Je crois que j'aurais pas dû lui dire d'aller là. Non, j'ai déconné. Alors là, on va demander notre ami la chouette, qui est très chouette. On peut faire avec gardien. Ah ouais, on peut les attaquer. Ok, donc il y a des mecs qui sont en jaune, eux ça doit être des costauds. C'est à peu près tout. Voilà. Boum, on s'arrache nous. Ce serait si on lançait des cailloux avec. Ils ont pas changé la touche des cailloux. Ah si. Pour distraire les ennemis et faire du bruit. Accroupissez-vous avec rond pour faire moins de bruit et réduire les risques d'être détecté. Si vous voulez être repéré, cachez-vous dans la végétation pour sortir du champ de vision de l'ennemi. Ok. Ok, donc quand on a fait une attaque avec la chouette. Il y a un temps de chargement de la chouette. Will, reviens par là.
Ou elle revient par là. On va. Hop. Est-ce qu'elle est là? Été dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Non mais le spot est automatique. Ah, j'ai oublié la touche. En plus on tombe sur le mec badass. Ok, on a eu. Oh, qui c'est qui a brûlé mon loup là? Oh well. Où sont les ennemis? Ah. Boum. Ah, ah, aide-moi mon loup. Boum, ils sont où les autres? Ah, va falloir soigner le loup. Voilà. Maintenant on va casser les trucs là. Qui nous cassent les dents. Vous avez compris? Oh non, j'ai cassé le gourdin en faisant ça. RT. Ça a même pas cassé. Voilà, là ça casse. Alors, il dit plus rien. Ça va le prendre par derrière. Boum, élimination. Boum, élimination. Boum, élimination. Allez, on va brûler les autres trucs. Ah, ça brûle partout. Boum, on saute par-dessus le feu. On est des thugs, nous. Le feu ne nous attend pas. Voilà. Et il est où notre... On va monter par là, ça ira plus vite, je pense. Il n'en restera qu'un. Voir zéro. Oh non, on a tout cassé. Hop. Hop. Les gars, il y a un moment où faut prendre feu. Voilà. Boum. Sauf les autres qui nous cherchent là, on va jouer un peu là. Là. Oh non, ça c'est un poteau, désolé. Avec des poteaux en fait. Merde, c'est pour ça que je voulais faire à chaque fois. En fait, c'est parce que dans Far Cry. Ah, on aurait pu le killer à la chouette. Ah mais non, la flemme. Non, c'est pas ça, toi. Hop. Je veux descendre, j'ai dit. Boum, on t'a eu. Ah, on t'a eu. On est des ouf, nous. Tu ne nous connais pas. Sois pas trop pressé. Sois pas américaine. Oul Atikwaifa. Apa. Laiwamaya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Calme-toi. C'est pas toi qui sais là, c'est pas ton sang. T'inquiète pas. Shaja. Palhu Udamari. Arrête de couper leurs oreilles, c'est bizarre. Why famas? Shaus, Uz, Dawson.
Ouais, mais calme-toi avec les oreilles des gens comme ça. Voilà, ça c'est une parole de guerrier. On fait des trucs chelous avec les oreilles et les coquillages quand même. Mais elle est bonne. Ça c'est le plus important. Winjai. 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 Pour Winja. La rage d'Oul. Winja. Le combat pour Horos commence. Hop, ressources quotidiennes dans le coffre. Winja disparu, appuyez sur touch pour ouvrir le menu de la carte. La Winja aux compétences uniques ont été aperçues pour la dernière fois dans les régions marquées. Parcourez Horos à la recherche de ces habiles Winja et ramenez-les dans votre nouveau village. Peut-être qu'on pourrait faire un truc comme ça là. Alors il y en a un ici, un là. Alors lui c'est ce qu'on voulait, c'est le Wall fabricant lui. Karush le guerrier, intéressant. Jaima la caresseuse. Ah. Difficulté moyenne. Difficulté moyenne. Difficulté moyenne. Ok. Donc ça a l'air d'être notre objectif du jour. Bah on va y aller voir. On va d'abord aller faire le bûcher, tiens. Difficulté facile en plus. Ah mais non, en fait, on a un objectif ici. Complètement con. Vous avez débloqué la recette du stimulant de vitesse. Appuyez sur gauche avant d'ouvrir le menu nourriture pour le voir. Récupérez de la viande et des plantes pour concocter des recettes de nourriture. Continuez à aider ça et là pour débloquer de nouvelles recettes qui vous soigneront tout en améliorant temporairement vos aptitudes. En plus, cette qui nous montrera ce sens. C'est plutôt worse. C'est so good. Non. Hop. C'est où? Camouflage olfactif. Stimulant de vitesse. Faut plus de viande. On n'a pas de viande. Très bien. RT. Là, c'est grande notre grotte. Elle me fait penser à la grotte dans Far Cry 3 un peu. Mais en plus préhistorique. En plus cool en plus. L'autre, c'était un peu de la merde. Mais c'est pas ma grotte ça? Hein? Ah bah non. C'est pas ma grotte. Où suis-je? On va se taper rapide. Je comprends pas tout. Hop. Voilà. On a toujours pas de viande. Non. Hop. On va faire un bûcher. Et je pense qu'on se laissera là pour cette vidéo. M bûcher. Le petit son en slow motion. Regardez comme c'est magnifique. Voilà. Bruh. Allez. Allez, allez, allez. Oh! Il faut flipper. Bonjour. Je suis. Ah, mon loup est là. Well. Il est où? Là. Il y a quelqu'un qui a voulu me spotter mais qui a pas réussi visiblement. On va voir qui c'est. Notre chemin, on va pas aller chercher les emmerdes à 20 000 ans parce que là on est parti pour rester longtemps là-dessus, donc on va pas y aller. Boom. Splash.
plutôt cool. Il y a des rivières par endroit là pour avoir un coup. Allez, 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 allez. Et donc ouais, un truc que je trouve plutôt cool aussi dans ce nouveau Far Cry, c'est que quand on marche sur la carte, en fait il n'y a plus de pylône radio, quand on marche sur la carte, je crois bien que c'est ça, hein, si j'ai bien compris, ça découvre le terrain sur la carte. Ce qui fait qu'on marche jamais à l'aveugle. C'est stylé je trouve. Là, ici, il y a baston. On va prendre ça. Et je vous jure, on va tuer tout le monde comme ça. Boum. Grenade qui pique. Boum, tire à la tête. Oh non, il est parti. Boum, par derrière. Voilà. Ah, j'ai enfin réussi à avoir assez de réflexes pour faire une exécution. Maintenant, je le fais tout le temps. Boum, tu t'es fait arracher alors. Alors, ça fait pas plaisir. Hein. Gros, il y a des mecs qui sont blancs. C'est quoi ce bordel? Alors, on va éviter de mourir. J'ai failli décéder comme ça. Hein. Vraiment. On va te donner à manger. Voilà. Allez, mange. T'as faim. Nous, notre saga est qu'on ramasse. Oh là là, mais c'est carrément la dèche ici. Il y a trop de monde. Et pourquoi ils sont là eux? Oh boum! Rends-nous notre saga s'il te plaît. Ah ouais, mais s'il y a des mammouths qui s'en mêlent. Tiens, viens, on se casse, Wall. Wall, amène-toi, on se casse. Ah oui, je voulais savoir qui c'est les mecs en blanc. C'est quoi ce bordel? T'es qui toi? T'es qui? Mais t'es qui? Arrête d'avoir peur, t'es qui? Non, ça me marque pas. Mais c'est qui? Vraiment? Ah, c'est une autre tribu quoi? C'est une tribu d'innocent peut-être. Ou alors de gentil. Ou alors de méchant. Boum! Profanation. Allez, on est bientôt arrivé. J'espère qu'il va pas y avoir d'autres Winja. D'autres Udam. C'est le Winja, c'est les gentils. Je sais pas, comme je me prends un peu pour Urk dans Far Cry 4. Ok, là, on va buter le sentier d'or. C'est nous le sentier d'or. Ça m'avait tué. Ah, l'ours. Passer à côté, mais doucement. Non mais sérieusement, ouais, qu'est-ce qu'il fout? Mise à mort, ça, on a l'impression que c'est le loup qui a tout fait. Mais même si c'est un peu le cas, j'ai quand même fait pas mal. Hein. Attends, oh. Touché. Allez, viens, Robert, on se casse. Nickel, j'ai tout. Ah, hop. Oh.
Voilà, le bûcher est pas loin. Alors, on va y aller un peu infiltration. Sans la chouette. Vu que c'est du difficulté facile. Et je dis ça, je prends la chouette. Alors Robert nous a fait... Wall nous a fait griller. Bon, par contre, il a fait le taf. On peut dire ça. On peut clairement le dire. Par contre, je peux pas le dépecer. Je peux pas le... On va devoir faire ça. On va faire un truc un peu stylé. Voilà, et boum! Notre poteau la chouette. 2 revendiqués sur 16. Population Winja augmentée, ça c'est plutôt frais. Frais payé, tout frais payé. Pouah! Plus 3 nouveaux villageois, mais c'est énorme! Compétences plus 1. Hop, on va voir les compétences. Compétences de chouette ici. C'est plutôt chouette. Bombe berserk et bombe à feu. Bon, pour l'instant, on a que les bombes piquantes, donc ça sert pas à grand chose. Ah, ça c'est plutôt intéressant. Bon, ça on a déjà vu. Ça c'est intéressant. Ouais. Ah, Sogoi. On va prendre ça. Boum. Et comment on craft un grappin? C'est qui pour qui? C'est qui craft les grappins? Ah, c'est stylé, lui il améliore des frondes. Arc long. Vous n'avez pas encore. L'arc long est plus long et à charger, mais inflige les dégâts accrus. Et permet de zoomer pour une précision à distance inégalée. Ah, c'est un sniper quoi. L'arc double est une arme rapide qui tire deux flèches à la fois. Ah, ça c'est stylé aussi. Gourdin à deux mains. Ah, c'est un gros gourdin quoi. Alors lui, il s'est crafté un truc. C'est-à-dire lui aussi. C'est un peu des ignorants, tu vois. Bombe à feu. D'accord, c'est intéressant aussi. Bombe berserk. Donc faudra les prendre tous les deux avant de mettre la compétence de chouette, là. Ce qui est plutôt chouette. Pas du tout. Bah voilà. Écoutez, on a fait une mission plus un bûcher. Je trouve que c'est assez frais. Toujours un arbre de traviole. Ouais, on est plutôt pas mal. On va prendre un peu d'altitude pour l'outro. Boum, on ramasse de l'ardoise. Hop. Ah oui, je sais comment on fait ça. Alors, ça normalement faut faire. Tiens, hop, on va profiter. Boum. Un coffre caché. Ils avaient plusieurs manières de cacher leur coffre. Donc on va reprendre de l'altitude et on va faire l'outro. Cette fois c'est la bonne. Hop. Donc avec ce magnifique bûcher qui fait de la fumée, ces magnifiques montagnes dignes de pistes de ski, ces magnifiques forêts, cette magnifique colline. Voilà. En gros, oh, t'es pas en bonne santé toi. Tiens. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous adorez ces graphismes comme moi, ben vous la likez, vous la partagez et vous la commentez, c'est important, c'est le plus important. Et surtout, encore plus important, et ben vous abonnez. Voilà. Au revoir. C'était Nomis36 sur Far Cry Primal.